Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue sur Actu Sport sur Radio RG30 et dans cette chronique 100% de balle, on va vous parler de l'USAM Nîmes-Gare avec la 6ème journée de l'Ikimoli Star League, un match qui était à vivre sur Radio RG30 en compagnie de Grégory Arrivé, entraîneur de la formation de la Nationale 1, où on évoquera également leurs résultats du week-end, mais on va commencer par la Star League et l'USAM qui affrontait Istres, la lanterne rouge, qui n'avait pas à dire son dernier mot lors de ce match au Parnasse. Les deux équipes qui se sont quittées sur un score, un large score, 37 à 34. On a vu des buts, 42 notamment lors de la première période, c'était... simplement magnifique à voir, des gestes somptueux, hein. Lucas Vanek du côté d'Istres, Ahmed Echam du côté de l'USAM, enfin, c'était un récital de buts qui avait lieu au Parnasse. Les absents avaient vraiment tort d'être pas là justement pour vivre cette rencontre, mais notez déjà dans votre agenda que le 13 novembre ce sera le choc USAM face à Nantes, les premiers au classement pour le moment face donc à l'USAM, donc match à 15h30 qui aura donc lieu en direct sur Radio RG30, dispositif exceptionnel à cette occasion également. En National 1, pour parler justement des jeunes du centre de formation de Grégory Arrivé, se sont inclinés sur le score de 36 à 32, c'était à Antibes, un match qui était à vivre sur Total Sport Media et qui est donc également à revoir si besoin. Les moins de 18 nationaux se sont imposés 31 à 28, eux aussi dans le cadre eh bien, de leur journée de championnat de national. C'était face à l'équipe de Grenoble. En Coupe de France, l'équipe eh bien, du GHAR de pré-national masculine s'est imposée sur le score de 44 à 32 à Orange. À Terran, pardon, dans ce tour et ce premier de Coupe de France, on félicite évidemment toute l'équipe eh bien, du GHAR. On se retrouve demain pour vous parler du football et il y aura de quoi dire, puisque entre Rani Assaf et les supporters des Gladiators, eh bien, la série, comme on pouvait l'appeler à bien avant, Dallas, eh bien, continue un petit peu. Donc on vous en parlera demain dans la chronique 100% football. Passez une excellente journée sur Radio RG30, tout en musique. Jérôme, c'est à toi.